Salut tout le monde, c'est Dubs, votre nouvelle voisine. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on se retrouve sur Hello Neighbor, si je le prononce bien. Bon, je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent le jeu, mais bon, je préfère quand même le dire, enfin, expliquer le concept du jeu pour ceux qui ne savent pas. C'est très simple. Vous voyez, en face de moi, c'est mon voisin. Et mon voisin, il est un petit peu bizarre, donc je vais aller voir ce qui se passe chez lui. Je suis une voisine très curieuse. Je vais mener mon enquête. Ok. C'est quoi cette maison? Putain, mais le mec, il y a que deux pièces. Oh, c'est mes poubelles. Les poubelles sont pas passées. Bordel de merde. D'accord, en fait, ouais, je viens d'emménager dans ma nouvelle maison, je n'avais pas vu. Et j'attaque direct, je vais aller checker le voisin, parce que sa maison, elle me paraît bizarre, ou je suis peut-être jaloux. On y va discretos, ok? Oh putain, je suis dans sa propriété, oh là là, je me sens plus, je suis chez lui. Oh genre, il y a sa porte d'entrée ouverte. Il est là ou pas? Imaginez, vous voyez un trou du cul qui est là. Salut! Salut! Bon, est-ce que je me la joue propre et je dis bonjour? Bonjour! Je suis votre nouvelle voisine! Ah, je vois que vous avez pas de Kinder Bueno. Je peux vous en apporter si vous voulez. Ça se fait pas trop ce que je fais quand même. C'est fermé. Mais je sais même pas s'il est là. Allô? Hein? Ouais. Alors, d'où dans une maison, on a une porte exit comme ça, là. Vous m'expliquez? Oh, merde. Oh, j'ai pris la télé. Oh, je me casse avec la télé. Oui! J'ai installé une télé chez moi. Oui! Bon allez, on se concentre, je ne suis pas là pour voler. Bon, ici on sait que c'est safe, ça a l'air d'être safe. Oh, il est vraiment bizarre ce... Oh, vous croyez que je peux y aller? Ah! Oh, monsieur! Mais il a popé d'où celui-là? Putain, c'est quoi ce voisin? Ce fut un échec total, ma première mission a complètement échoué, je ne ferai pas partie des services secrets. Je n'ai pas dit mon dernier mot! J'arrive! Je cherche juste de quoi m'équiper. Après, je peux quand même comprendre sa réaction. Je lui ai volé cette télé. Par contre, faudra m'expliquer le bordel. Je me suis même pas arrêté dessus en premier, mais c'est vrai qu'il y a un putain de bordel là. Et bah, quand les meubles passent pas, ça passe pas, hein. Bon, ici, il y a l'air d'avoir un détecteur. Est-ce que je vais essayer d'ouvrir la porte? C'est trop chelou. Et si je sonne? Attendez, je préfère m'éloigner, on sait jamais. Il est peut-être bizarre. C'est trop bizarre. Je suis sûre, il est là-bas. Ce con, il est en bas dans sa salle, trop bizarre là. Mais si j'y vais, je vais me faire avoir. À chaque fois, je me fais avoir. Attends, on va essayer. Ouais, c'est ça. Salut! Je peux vraiment pas aller dans cette pièce. Shut. Ah! Il fait jour cette fois-ci. Oh, je l'ai vu passer, je crois. Oh putain, vous avez pas vu un truc passer? What the fuck? Il a mis des pièges. Des pièges à loups. Mais il est sérieux? Ah ouais, d'accord, il déconne pas ce voisin. Il déconne pas le voisin. Hé! Hé! Je suis là! Regardez-le, il a des espèces de gants. Pourquoi il a des gants en pleine journée? Il faisait la vaisselle, vous croyez? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, c'est pas la pièce en bas? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'il fait cramer des trucs. Oh mon dieu! Mais il y a des trucs vraiment bizarres chez lui! Ah ouais, le gars il suit pas dans la dentelle. S'il aime pas ses meubles, il les jette au calme. Je croyais que je peux me faire mal. C'est pas facile hein, d'accéder chez lui. Hein. Je suis sonné. Attendez, je vais reculer. Salut! Ah! Putain, je vais t'apporter des cookies! J'étais juste gentille! Oh putain! Oh putain! J'y crois pas! C'est quoi ce putain de voisin de merde là? Colard! Putain, je suis hyper gentille, je sonne et tout, en plus je rentre même pas par effraction et voilà comment je suis reçue. Ok, d'accord, tu te la joues comme ça? Coucou! Je suis encore là! Je suis la pire voisine du monde, c'est pas possible, la meuf qui lâche pas l'affaire. Eh, hey, je te trouve trop beau! Je vais en rencard avec toi! Attends, je vais peut-être ouvrir. Mais je vais repartir direct. Alors attendez, vous êtes prêts? Comme les gosses! Il va ouvrir normalement. Cache-toi! Cache-toi, Trouduc! Cache-toi, baisse-toi! Cache, baisse-toi! Ah non, je peux baisser. Normalement, il est censé ouvrir. Il est là, il est en face! Ah, je l'ai vu. Regardez. Et là, il va laisser ouvert. Oh non, il a pas laissé ouvert. J'étais juste le jardinier. Tu veux jouer à ça? Pauvre idiot. Déjà, tes pièges à deux balles. Ah, vite, cache-toi. Cours plus vite. Ah non. Putain, mais cours pas assez vite aussi. Non. Putain. Tu m'auras pas, aidez-moi. Appelez le 911, les gars. Le nouveau voisin est vraiment pas cool. Faut que j'arrive à rentrer par une chambre, une pièce ou je sais pas quoi. Là, il y a des vitres. Là, il y a des vitres. Là, il y a pas de vitres, mais c'est un peu étroit, non? Là, il a tout rafistolé. On va essayer de rentrer par là. Pause. Oh non, il est où? Oh mais t'es sérieux mon gars? Oh le fail! Faudrait que j'arrive à rentrer. La porte est toujours ouverte. Enfin là. Est-ce que je peux ouvrir ça là? Dire des placards. Oh shit!
J'ai la lampe torche. Oh, c'est pas possible, je vais tomber ma lampe torche. Oh non, je vois rien. Il éteint. Il m'a vu. Mauvais plan. Au secours. Ah, j'ai une lampe torche. Vas-y, viens mon gars. Tiens, attrape. J'essaie de rentrer chez lui. Vite. Je peux peut-être y arriver. Je sais ce que tu caches. Oh putain. Je suis la pire. Vous vous rendez compte, les amis, je vais faire une vidéo où je ne rentrerai même pas dans la maison. Faut que je fasse attention parce que ce coin, apparemment, il me... Ah non ! Non ! J'avais pas vu qu'il y avait des pièges. Oh, salut ! Oh putain, c'est pas possible. Oh putain ! C'est pas ce que je voulais faire ! J'ai pété sa fenêtre. Il va le voir. Oh la con! Oh la con! Ah non! Il est du poids! Il est passé par une fenêtre, je sais pas laquelle! Oh putain, c'est très dur d'être bien avec toi, mon gars! Ah! Ah putain! Oh le frisson de ça! Oh. Non! Tu m'auras pas! Tu m'auras pas! Je m'attendais tellement pas à ça. Ah, je l'avais vu dans le trailer, mais je pensais pas que ça pouvait m'arriver. Ah, il est où, là? C'est moi ou il vient de péter sa fenêtre pour entrer? Mais j'ai rien fait, pourquoi tu... C'est pas possible! Non, arrête, tu peux pas rentrer chez moi, t'as pas le droit. Pff, allez, casse-toi. Allez, viens te battre. Oh, putain, il m'a balancé des tomates. J'y crois pas. Putain, on en est réduit là, c'est la guerre entre les voisins, j'hallucine. Je suis là. Youhou. Ah, c'est pas possible. J'hallucine. Tu m'auras pas. Putain, il balance des pièges maintenant. Connard. Va te faire foutre. On sera jamais amis de toute façon. Bon, y'a pas le choix, à un moment donné, faut l'affronter, même si je suis pas trop armée. Vas-y, bitch, j'attends. Allez, viens. Qu'est-ce que t'as? Aïe. Genre, je vais mourir pour une tomate, mon gars. T'es sérieux? Attends, il faut que je ferme la porte. Salut! Voilà, il est parti. Ok. Et du coup, il va rester que là, maintenant. Bah ouais. Oh là là, c'est le bordel! Je me dis, on se regarde en chien de faïence, comme ça. Il veut même plus rentrer par la porte. Il n'a rien à foutre, le gars. Coucou! Ah, putain, je me mets... Il est là-bas! Regardez, il me regarde! Il me balance des pièges! Ferme la porte! Oh putain! C'est un film d'horreur! C'est pas possible! Ah putain, c'est pas possible, je peux plus sortir chez moi, je crois. J'ai pas peur de toi! Viens! Moi, je veux juste qu'on soit amis! Tu m'auras pas! Je vais rentrer chez toi, mon gars! Wouhou! Aïe! Oh, il y avait un piège! Bon, et bien voilà, les amis, il se passe ceci quand vous harcelez trop votre voisin. Et nous soulignerons mon échec total, je n'ai absolument pas réussi à rentrer plus de 2 minutes dans la maison, c'est superbe! Dans tous les cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!